Bonjour et sur la paire de devises euro-dollar aujourd'hui, et eh bien nous avons une poursuite du mouvement baissier puisque suite à l'accélération d'hier, et eh bien euh, la paire de devises euro-dollar donc se stabilise et ne remonte pas. Hein, on avait, on a pourtant ici un signal de, de possible rebond technique avec une sortie de RSI de sa zone de survente qui devrait être accompagnée par le MACD et euh, le stochastique donc qui s'apprête lui aussi à sortir. Donc pour l'instant il n'y a pas de, tellement faible euh, rebond sur la, la période de vise qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une phase de stabilisation. Tant que les cours restent sous les 1.12 et bien nous sommes dans une dynamique baissière confirmée. on peut bien constater ici que les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle agissent comme des zones de résistance ce qui est donc caractéristique de ces, euh, de, de ces dynamiques baissières. Sur la paire de devises de l'Ariane, j'attirais votre attention hier sur une éventuelle rupture de cette résistance oblique baissière qui définit une tendance court moyen terme. Alors, on a bien ici la rupture de cette résistance, mais dans une dynamique qui ne semble pas très très forte. On attendait un retour rapide ici sur les 110,76, mais les cours ici se font attendre et se stabilisent juste au-dessus du support des 110 yen pour 1 dollar. Donc on a bien ici une rupture de cette résistance oblique mais qui se fait sans réelle conviction et qui se fait semble-t-il vers, plutôt vers une phase de neutralisation entre ici les 109.20 et donc éventuellement ces 110.75 que vraiment sur une sur une dynamique haussière. Toutefois, une rupture haussière des 110.76 relancerait la dynamique en direction ici de cette résistance donc et d'un retour des 111.76 suite à la rupture des 61,8%. Par contre on est encore dans une phase où dans l'éventualité d'une d'un retour ici sous la zone de résistance on pourrait très bien invalider cette sortie et qui serait confirmée sous les 108.60 yens pour un dollar. Et enfin, en ce qui concerne l'or, on confirme donc hein, la rupture de ce support euh, oblique par une poursuite du mouvement baissier le long de la bande de Bollinger inférieure. Il semblerait que sur les 1220 euh, dollars l'once, eh nous trouvions une zone secondaire pour euh, se stabiliser. Euh, pour ce qui est de la tendance globale, on a bien ici donc la rupture de cette zone de support en direction ici des 1209 dollars l'once. D'un point de vue court terme, nous avons un RSI et un stochastique qui sont en survente. Pas encore de signal de retournement. Le MACD tente ici un petit signal, mais qui n'est pour l'instant pas euh, confirmé. Alors attention, dans l'éventualité d'un retournement, on peut attendre ici un retour en pullback sur la zone 1238-1240 dollars l'once. Par contre, une poursuite du mouvement eh bien, nous ramènerait vers, cette, vers, vers cet objectif qui, je le rappelle, se situe à 1209 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.